Je sais pas ce qui se passe. En fait, le truc. Ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. Bon, bah désolé, désolé, j'ai mon OBS qui a tout simplement planté. Au moment où j'ai basculé sur la scène live, il a planté, mais bien comme il faut. Voilà, voilà. Bonsoir Iskull, bonsoir Chine, bonsoir Benjamin, bonsoir en couleur. Bienvenue, bienvenue sur le stream. On va. Ouais, alors toi, tu choisis le meilleur moment pour commencer à passer l'aspirateur. Manana, elle dit, bah tiens, il est 21h, passons l'aspirateur. Parfait, parfait, c'est super. Vas-y, continue, continue, fais-toi plaisir, ma chérie. Non, je déconne. Et salut le hibou, comment ça va? Comment vous allez tous? On est parti pour une petite soirée sur Torchlight. J'espère que tout est bon. Tac, tac, tac. Parce que ça m'a un peu coupé dans mon élan. Est-ce que j'ai bien le son du jeu? Tac, tac, tac. Hop, on va regarder ça tout de suite. Torchlight, Torchlight. Ah, mais non, c'est normal. J'ai pas de son du jeu parce que la dernière fois, je l'avais coupé. On va juste aller, hop. Voilà. Donc, ouais, on est. Alors, il y a un gros, gros décalage entre le moment, où... enfin, le live et ce que le, ce que vous voyez. Donc, je suis désolé si ça, si je mets du temps à répondre. L'aspirateur, c'est un bruit RP pour accompagner ton perso SNCF. Oui, peut-être, peut-être, tout à fait, tout à fait. Attendez, deux petites secondes. Je reviens. J'ai complètement oublié un truc. Je reviens dans deux petites secondes. Et voilà, c'est le retour de Manuel, Manuel le conducteur de train, qui est parti pour une petite soirée sur Torchlight. Donc salut tout le monde, salut Chapod, salut Jadzia, salut Taza, Taza le spoilman, salut Henri et je pense que... Et salut Tito Kira. Non, 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 je me suis pas tiré, je me suis pas tiré. Allez, c'est parti. On est parti. Je multi. Ah, pourquoi j'ai lancé ça? Mais non, je veux pas jouer avec mon. On va recommencer parce qu'on va faire un nouveau perso. Hop là. Et salut Aro. Un nouveau perso et on va prendre. Ouais, ouais, je rigole de ma connerie. Salut Amaury, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour 3 heures de live sur Torchlight. Alors, je vais vous faire le plaisir de pas jouer en mode absurde. Là, on va prendre 3 ans à tuer les mobs. On va jouer en normal. Ça me permettra d'avancer dans l'histoire tranquillou sans qu'on passe 5 minutes à essayer de tuer un boss, quoi. Voilà, alors j'ai quasiment la même moustache, peut-être un peu plus mexicano. Ah là, très bien, peut-être... Oula. Non, non, non. Ah, voilà. On est quasiment pareil. Parfait, parfait. Cheveux. Oh, celle-là était parfaite. Cette coupe-là, elle est parfaite. Allez, allez, allez.
Hop là. Ah non, non, non. Hop. J'ai oublié de l'appeler, bien évidemment, manuel. Voilà. Et on. Alors ici, on a les choix des reliques, qui est quand même un choix super important pour votre perso. Parce que ça définit plus ou moins une sorte de sous-classe. Malheureusement, c'est un choix qui est définitif et que vous pouvez pas en changer. Salut Flamby, t'es un grand fan des deux premiers. Est-ce que je vous conseillais le 3? J'ai beaucoup de mauvais échos et j'ai très peur de me lancer dans l'aventure. Alors écoute, ça dépend de ce que tu vas rechercher. Ça dépend de ce que tu vas rechercher parce que il faut le dire, hein. Il faut vraiment le dire. En termes de profondeur, en termes de contenu, il n'y a pas grand-chose dans Torchlight 3. C'est un petit jeu sans prétention dans lequel tu vas quand même prendre du plaisir. Le gameplay est là, etc. Mais il faut pas s'attendre à grand-chose et malheureusement, tu vas peut-être rapidement t'ennuyer dessus. Voilà. Après, pour le prix 35 euros, je trouve qu'il est un petit peu cher. Il y a un effort à fournir pour le sortir. Ouais. C'est vrai que les sourcils. Mais en fait, je pouvais pas. Je pouvais pas. J'avais que les moustaches. Je suis allé en speed aujourd'hui aller chercher une moustache. Parce que c'est pas moi qui vais réussir à avoir de la moustache. Hein. J'aurais pu prévoir depuis une semaine de me laisser pousser la moustache. Sauf que moi, pour que ma moustache pousse, il faut à peu près un an. Voilà, je sais pas. J'ai une sorte de pilosité qui marche pas du tout. Voilà, là, je suis pas rasé depuis une semaine. Hein. Intellectuel, mon Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais partir sur quoi comme relique? J'avais bien envie de partir sur la relique feu parce que j'ai l'impression que ça synergise pas mal avec le petit perso. Donc, on va voir parce que là, effectivement, on a des trucs de feu, j'avais l'impression, dans ce que j'avais regardé. Et tout ça, dynamite, tout ça a l'air d'être des dégâts. Mais on voit pas trop les types de dégâts. Ah, c'est des dégâts de l'arme. Ah, donc tu vois, un des trucs Flambi, tu vois, ça c'est les arbres de talent, donc t'en as deux qui sont liés à ta classe, et ça c'est celui de la relique, et tu vois que t'as pas non plus énormément de choix, ça reste assez linéaire, t'as très peu d'interactions entre les différents sorts. Enfin, c'est vraiment limite, quoi, comme. Je trouve que c'est. Enfin, pour quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête, qui a envie de jouer très rapidement, d'avoir un build très correct. On n'est pas sur du PoE, du Grimdawn, où il faut un peu essayer de trouver les bonnes synergies. Ici, c'est assez simple, il y a très peu de chances de se tromper. Et tu vas très rapidement prendre du plaisir au jeu. Maintenant, je trouve que le jeu est répétitif, il est basé sur trois actes. Il n'y a vraiment que l'acte 3 qui, on va dire, sort un peu du moule qui a été Torchlight Frontier. Parce qu'il a été fait après et je pense qu'ils ont pris déjà pas mal de retours des joueurs sur l'alpha, la bêta et l'early access pour dire ok, on va essayer de faire un acte 3 un peu plus diversifié. Donc l'acte 3, moi je le trouve pas mal. Maintenant, bon. Allez, on part sur la relique feu. J'aimais bien, c'est ça, j'ai vu des vidéos où t'as une sorte d'énorme épée qui s'abat par terre. Colonne de feu. Ah, on retrouve un peu les mêmes talents aussi sur les autres reliques pour augmenter la génération de l'énergie. Allez, c'est parti. Là, je suis bon. On va aller choisir notre pet. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre comme pet? Ah, je sais ce que je vais prendre comme pet. Je sais ce que je vais prendre. Voilà. Et. Ce nom n'est pas autorisé. Je ne peux pas choisir le hibou pour ma chouette. C'est peut-être parce que j'ai mis un espace, alors je vais le faire comme ça. Et là, je peux. Là, je peux, c'est bon. La colonne de feu est très bien. Ok, bah. Continuez. Allez, hop, c'est parti. Comment. Ouais, un peu dark comme ça. Ouais, il est très très bien comme ça. Bande de trolls. Ah non, il n'y a aucun troll.
Au début, je voulais partir sur de l'absurde, mais je me suis dit ça va pas être sympa comme stream parce que j'ai monté déjà un perso en absurde et ça prend 3 heures, on n'avance pas du tout. Donc je vais plutôt jouer en normal. Et comme ça, on augmentera la difficulté si jamais il faut. De toute façon, ça change pas grand-chose à part la MF. En fait, c'est juste que j'aurai un badge comme ça sur mon perso. Mais en fait, c'est juste une question de kiki tout dur, quoi. Allez, c'est parti. Hop. Et on commence. Pas trop compris l'intérêt du vendeur de pets par contre. Bah si, en fait, tu peux acheter des pets et tenter de d'obtenir un pet qui aurait un passif que tu n'aurais pas encore sur tes pets. Parce qu'en fait, il y en a des plus ou moins rares. Et là, par exemple, moi, sur mon autre perso, là, qui est endgame, je pense qu'il me manque encore 4 passifs. Il manque encore 4 passifs. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà construit le train. Je peux déjà le construire là? Ah, ce qui est bien, c'est qu'il nous suit automatiquement, contrairement à avant où il fallait à chaque fois poser les rails. C'était juste super chiant quoi. Ok, on a déjà un niveau. Très bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah une arme sur le sol et un fiche de 130 pourcentage de dégâts d'armes. En plus, ça étourdit les ennemis, ça a l'air pas mal. Et envoie une charge explosive qui inflige 60% de dégâts d'armes et rend les ennemis vulnérables. Ouais, j'aime bien la dynamite. On doit faire de là-haut, ça en plus. Allez, on va tenter la dynamite. Ok, allez, c'est parti. Ah, de rien, le e-book, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, en plus, c'est par rapport à ce que tu disais hier. Ah ouais, ah mais c'est pas mal ça là. D'accord, on a des charges sur... Ah merde, par contre il faut viser quoi. Oh là là, la différence par rapport à l'absurde. Salut Thomas, comment ça va? Ouais, belle moustache, hein. Je suis à... Ah merde. Viens ici, Manuel. Voilà. Manuel. C'est moi. Bon, on va prendre un marteau, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont allés... qui ont fini le jeu, qui sont allés jusque Fazir. Qu'est-ce que vous en pensez un peu du mode endgame? On le fera en deuxième partie de live. On fera un peu de Fazir pour montrer à quoi ça ressemble. Bah écoute, moi ça va bien. Ça va bien. En pleine forme pour ce petit live de 3 heures. Vous savez s'il y a des dates d'annoncer pour les patchs? Alors je sais qu'il y a un patch qui est prévu là où ils ont dit qu'ils allaient apporter du contenu là pour Halloween. Il y allait avoir des nouvelles armes, des nouveaux sets pour les classes qui seront cette fois-ci liées pardon, qui seront liées aux reliques cette fois-ci. Oh, je l'ai jamais eu celui-là. Oh. C'est gentil. Attends, j'ai. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Aller à la hauteur de. Ah oui, ok. Il faut déjà que je parte. Là, on peut déjà équiper ça et équiper notre. Wow, je double mes dégâts. Attention. Pop, pop, pop.
Ouais, il n'y a que ça au final. Ouais, c'est ultra répétitif le Fazir. C'est tu fais tout le temps la même chose et en plus la difficulté elle est quand même assez présente. Parce que les mobs gagnent très rapidement en termes de points de vie. Là, je suis arrivé au niveau 16-17 et les mobs ont plus 20% de points de vie et c'est. Ah, tu trouves que toi ça monte trop trop lentement? T'es arrivé à quel niveau, Amaury? Ah ouais, merde. Ah mon petit train, j'ai pu monter. Ah voilà. Ah tu t'es arrêté au 30. Ok. Ce qui est déjà pas mal, mais 30 ça fait quoi? Ils ont quoi les mobs en termes de points de vie? Parce que moi au 17 ils avaient déjà 20% de points de vie en plus. Je mettais 3 heures à les tuer. Ouais, je m'en suis rendu compte quand tu m'as dit que j'étais avec Vala, j'ai su qui t'étais. Ouais, j'ai vu la vidéo du gars qui fait du 251, mais le 251, c'est même le endgame parce qu'il n'y a plus rien après. Mince. Ah, et pas mal la petite grenade. Essayer de faire un petit pack. Ah mince, j'avais pas vu le. Ça fait quoi quand on appuie dessus? Pose des rails passivement quand vous déplacez. Rappuyer pour arrêter la compétence. Ah d'accord. Salut Lyurène. Comment ça va? Wow. Je sais pas si vous avez vu, j'ai eu une sorte de TP là. Allez hop. T'es quoi? L'attaque passive de la tourelle est de 25 points. Ah oh, bon, va. Ah non, pas ça. En fait, ici sur les talents, vous avez des paliers que vous développez, enfin que vous débloquez en fonction du nombre de points que vous avez investi dans les skills. Tac, tac. 20% de vulnérabilité en plus. Ok, bah ça c'est pas mal, hein. Hop, on va aller chercher ce passif-là. Et après, on a un plus 20% de réduction des dégâts en mêlée, ce qui est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai que la difficulté sur Torchlight, elle est vraiment très. Enfin, sur cet épisode-là, elle est très artificielle, malheureusement. Et c'est pas que le jeu est difficile, en fait, c'est juste ils ont augmenté artificiellement la durée de vie en mettant des sacs à PV en face de nous, quoi. Alors, ah, mon petit train. On va essayer de faire un bon gros pack. Stuff. On a eu un marteau. Ah bah super, un marteau bleu. Hop là, on va l'équiper. Hein.
Des bottes. Et je crois que c'est... Ah non. D'esquiver des dégâts, 81, 29% de défense contre le feu. Ok. Je pense que j'ai... Et ça c'est quoi? Ah, c'est le focalisateur, on s'en fout. Oh, encore un marteau. Ok. Est-ce qu'il est mieux? Non, il est moins bien. Les dégâts de classe. Ah non, hop. Vous n'avez pas terminé les tâches. Ah mince, il me manquait un là-haut. Ah zut. Je me demande si je vais avoir plus de chance au niveau du loot que sur mon autre perso qui est c'est catastrophique quoi. J'ai vraiment rien du tout. J'ai toujours pas fini. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il manque les tombes. Ok. Où est-ce que ça peut bien être ça? Ah. Bah, attends, je l'ai pas fait là la tombe. Ah si, je l'ai faite. Ah là, hop. Donc on en avoir une quelque part que j'ai raté. Ah bah au début. Oula. Niveau en plus, on va continuer d'augmenter notre grenade parce que franchement c'est pas mal la grenade. Et donc là on a débloqué 20% de plus en tout le contenu légendaire map est en boucle. C'est vrai que le jeu manque de contenu. Un set par classe, j'apprécie jouer, mais c'est c'est une évidence. Ouais, déjà le 1-7. Enfin, en fait, t'as 1-7 par classe, après t'as les hors 7, mais comme tu les utilises pas, parce que bah, les sets de classe sont vraiment super puissants par rapport. Enfin, ce qui t'apporte en fait, il t'apporte des points dans tes talents et ça te permet de bah, d'en booster d'autres. Après, le fait qu'on puisse pas. Le fait qu'on puisse pas dépasser le cap des points, je trouve ça un peu gênant quoi. Genre tu investis 10 points dans un talent, t'es au max, et le fait d'avoir des points supplémentaires bah, sera pas pris en compte. Ce qui est quand même un peu bizarre. Normalement tu pourrais dépasser ce cap et ça te donnerait bah, du boost encore un peu plus, mais justement parce que t'as des points bonus. Et tu ne peux avoir ce boost que parce que justement t'as ce set là. Mais là non, c'est... Ils sont pas partis là-dessus malheureusement. Ah, hop. Alors c'est dommage ça, ils ont créé des sortes de minuscules petits donjons aléatoires. Malheureusement, ils se résument généralement à une pièce. Et c'est juste complètement inintéressant en fait. C'est ça dans le jeu, on retrouvera jamais de donjons aléatoires, d'événements spéciaux, enfin c'est... L'aventure elle se trace en une... C'est une grosse ligne droite en fait, c'est vraiment une grosse ligne droite. Ouais, D2 le faisait déjà mais... Il y a un bon bout de temps quoi, maintenant tu vois, même Wolsen, ils ont fait ce truc là quoi en fait. T'as des donjons aléatoires dans Wolsen, mais ils sont un peu plus grands et au bout t'as un boss et t'as une récompense, tu vois. Là t'as rien quoi. Ah,
Bah, il faut pas s'attendre, ouais, il faut pas s'attendre à un grand jeu, hein, Arrow. C'est un jeu, on va dire, au gameplay simple et sur lequel, et qui pourra plaire à des gens et qui pourra plaire. Hein, je pense que le jeu est dans ses mécaniques reste agréable. Malheureusement, il pêche par son contenu, donc je pense que d'ici quelques temps, en fait, on verra plus grand monde dessus. Parce que les gens vont s'ennuyer s'ils apportent pas du contenu rapidement. C'est ça, c'est le petit jeu tranquillou où tu réfléchis pas trop, tu prends tes talents. Voilà. Après, ce qui est marrant, c'est quand même par exemple, pour le reset de talent, bah, le truc est quand même pas évident. Il faut farmer des objets pour pouvoir reset ses talents. Et ça va un peu à l'encontre finalement de la philosophie du jeu, quoi. Qui aurait même dû te permettre de reset autant de fois que tu veux sans te. Coffre là. On a encore eu un torse. 30 de défense, 12 de dégâts de tour de masse, mais je pense que j'ai pas. C'est où la tour de masse? Combien? Tac. Attention, je vois pas. Attends. Train fantôme. Oh, c'est pas là alors? Martelage. Ah, tour de masse, c'est celui-là. Ok. Ah, vous faites tourbillonner votre marteau. Oh, ça a l'air sympa ça. Un petit tourbilol là. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui découvrirait les hack and slash. Je suis d'accord avec toi, Chapod. Quelqu'un qui a pas envie de se plonger dans un jeu trop hardcore, bah celui-là, ça vous permettrait d'avoir une idée de ce qu'est un hack and slash. Mais maintenant, je trouve qu'il y a quand même. Il y a d'autres jeux qui. Il y a peut-être. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est une possibilité. Parce que je trouve qu'il même il manque un peu l'attrait du butin. Je trouve qu'on trouve pas assez de. Ok. Mon petit train. J'ai cru voir un petit légendaire là, j'ai cru voir un petit légendaire. Hop, envoyé au fort. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un hors classe. En tuant des gobelins, vous gagnez chance d'aventurier, augmentant de 20% la chance et la vitesse de déplacement de 10% pendant 30 secondes. Ça me fait 20, 23 PV, 38 de dégâts critiques. Bah go quoi. Allez hop. Je pensais qu'on pourrait tourbillonner, mais pas du tout. Si, il me semble que c'est un petit tourbillon, hein, le truc. Last Epoch, la pépite. Entièrement d'accord. Last Epoch, c'est vraiment le top. Hein. Est-ce qu'on a. Moi, j'ai pas du tout touché au fort. Et il sert pas à grand chose, en fait, le fort. À part avoir ton hôtel pour faire les enchantes. Mais les enchantes. On va dire, voilà quoi. Salut au BTD, je pense que je savais pas dit bonjour. Qu'est-ce que ça donne, Wolsen? Soon. Soon. À l'heure actuelle, il n'y a pas de news sur Wolsen.
mais soon. Voilà. Je pense qu'ils avaient annoncé de toute manière qu'il y allait avoir quelque chose à cet automne. Donc je pense comme on arrive... Enfin, on est quoi là? Quand est-ce que ça se finit l'automne? C'est en décembre. Ouais, donc je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose assez rapidement. Je pense qu'il faut que je retourne... ouais. Soon, ouais, soon, soon, soon. Good job with the mushrooms recruit. What's that? Tac. Qu'est-ce qu'on prend, un pantalon? Allez, on va prendre un pantalon. Bon, je pense qu'on va aller tout vendre. Diablo 4, ça sera soon plus 1000, ouais. Ouais, j'ai l'impression que Diablo 4, ils sont pas encore... Ils sont pas encore dans l'état de sortir par rapport à ce qu'ils ont présenté là, la dernière fois sur les talents. Ça fait limite flipper, quoi. Ça fait vraiment limite flipper. Où est-ce qu'il est? Hop, portail. Non, 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 non. Bon, je discute en même temps, Ragnel. Non, mais c'est parce que je l'ai déjà... je suis déjà passé dessus avec un autre perso. Je me fais... Non, je me fais pas chier. C'est juste... c'est un petit jeu qui ne demande pas le même investissement, on va dire, que par exemple la semaine dernière, le Last Epoch. Hein, on n'est pas du tout sur le même genre de jeu. Si on est sur un petit jeu en mode tranquillou, quoi, peinard, on va avancer dans l'histoire, on va faire notre petit build, on va voir si ça marche, on va utiliser les reliques. Ouais, ça je le ferai après. En plus là je l'ai pas mis en grande difficulté parce que j'avais pas envie que ça prenne 3 ans pour tuer les mobs. Voilà, c'est parfait. Hop, donc là normalement on a 2 points de compétences qu'on va pouvoir dépenser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les 2 points là-dedans pour aller chercher les 20% de réduction de dégâts à de mêlée? Ou alors on part sur ça là, le tourbilol. Oh, on va prendre le tourbilol là. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Comment ça? Ah d'accord, c'est un truc... Oula. Punaise, il avance... Attends. Ah ouais, ok. Ouais, c'est marrant. Ah, par contre c'est pas un tourbillon comme on a l'habitude d'en voir, quoi. C'est, il trace tout droit et en mode bien speed. J'aimais bien le tourbillon dans Darksburg de la nonne là. Il est vraiment sympa. Ouais, c'est une sorte de charge en tourbillon. J'oublie à chaque fois de faire mon train là. C'est une comp échappe. Les mobs, moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup de variété. Je trouve qu'on rencontre souvent les mêmes. Tu vas rencontrer beaucoup de gobelins, beaucoup d'araignées. Et beaucoup de petits robots mécaniques, tout ça, je trouve que ça se répète quand même assez. Et de toute façon, pendant l'acte 1, là, tu rencontres quasiment que des gobelins. C'est lié à l'histoire, mais même en étant lié à l'histoire, je trouve ça... même les environnements sont répétitifs. C'est une épée, ça c'est une épée une main, ça. Ouais. Ouais, il est effectivement sur le robot, il y a un vrai tourbilol.
Putain, mais. Ah bah il faut que j'aille là-bas. Parfait. Mais c'est peut-être la classe qui m'attire le moins, le robot, parce que franchement, je sais pas, jouer une boîte de conserve. Je suis encore jamais tombé sur quelqu'un qui avait développé son fort, parce qu'en fait, y a plein de zones intermédiaires dans le jeu. Et ces zones intermédiaires, en fait, font que... comment dire? On voit des forts de d'autres personnes. Ah bah ça, par contre, c'est le mien. Donc il va pas y avoir grand-chose. Est-ce que, tiens, les forts, ils sont partagés entre les persos? Ou alors... Ah ouais. Bon bah voilà, mon fort, hein, c'est le mien. Voilà, le strict minimum. Est-ce qu'on bénéficie de tous les pets? Ah, d'accord, on bénéficie aussi de tous les pets. D'accord. Et genre là, si je vais prendre mes talents de pets... Ah d'accord, bah j'ai... Effectivement, je bénéficie aussi de tout ce que j'avais sur l'autre perso. Et tous les alliés bénéficient... Ouais, ok, on va garder ça. Il y a... Je sais plus... Il est où? La défense. Ah, c'est celui-là. Voilà. Hop. Ouais, mais je trouve que même ouais, la plupart des persos de Torchlight sont pas fous, quoi. Sont pas fous. Après, c'est que Last Epoch, c'est vraiment pas le même type de jeu. On est sur un jeu Last Epoch qui est dans... En tout cas, enfin, je l'avais déjà dit lors du live Last Epoch, hein, qui est vraiment dans la lignée d'un PO, je trouve. Je trouve qu'il suit un peu le même type de développement. Voilà, et je suis d'accord, Torchlight, bah, au final, c'est un petit jeu que tu vas torcher rapidement. c'est un jeu que tu vas faire, mais sur lequel tu vas pas rester longtemps. En tout cas, dans l'état actuel, non, tu vas pas rester longtemps parce que... Il propose pas un contenu de dingue quoi, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à y jouer plus que ça quoi. En tout cas, ça fait plaisir de défoncer du mob et pas de galérer même sur du pauvre trash à essayer de les buter pendant super longtemps quoi. Aller à la faille, ok. Ouais, après c'est... Oui, qu'il soit moins intéressant que Torchlight 2, ouais. Mais je pense qu'ils se sont perdus hein, dans le développement. Je sais pas si t'as suivi un peu le développement Ragnhild, mais au début le jeu s'appelait donc Torchlight Frontier. Et ils étaient partis sur un MMO, sur un système de frontières qui était juste imbitable, c'était incompréhensible leur système. On arrivait dans des zones, on perdait des niveaux, notre stuff baissait, même on a encore des. Il y a encore des restes hein, de ce système-là. Mais c'était juste incompréhensible. Alors, enfin, moi, j'ai rien compris, en tout cas. Mais ce qui est fou, c'est que bah, derrière ce jeu-là, derrière Torchlight 3, t'as Mike Schaeffer, qui est pas un amateur, quoi. Tu vois, le mec, il a quand même travaillé sur Diablo 1, Diablo 2, sur les Torchlight, quand il était chez Runic. Donc, tu vois, le mec, il a quand même de l'expérience, et je comprends pas, en fait... Je comprends pas qu'il ait pu se planter. Mais après, il y a un truc qui m'a fait marrer lors du dernier live qu'ils ont fait, là, la cérémonie un peu pour fêter la sortie du jeu.
Ou alors c'était un autre live, je sais. Non, c'était non, c'était pas pendant ce live-là. C'était, il a fait une interview avec. Je pense que c'était Zizaran. C'est Zizaran qui a fait une interview. Et il lui a posé une question assez fondamentale sur le jeu, je me rappelle plus de la question. Et Max était incapable de répondre, quoi. Et on avait vraiment l'impression qu'il maîtrisait pas du tout ce qui avait été fait sur le jeu. Et que, en gros, il avait plus ou moins supervisé, mais de super loin, ce qui s'était passé, quoi. C'était assez flagrant. J'essaierai de retrouver la vidéo, si elle est en VOD sur le. Sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Zizaran. Après, c'est peut-être pas le même budget, hein, Arrow aussi. Et puis, je pense qu'ils ont été un peu lâchés par leur éditeur, enfin, qui les a un peu pressés de sortir le truc. Je pense qu'il y a aussi ça qui a fait que. Ah, je trouve que la musique, elle est complètement transparente, franchement. Waouh, pas mal. Joli petit bug. Les créateurs de Torchlight 1 et 2, en fait, ça a été Torchlight 1 et 2 ont été créés par le studio Runic Games. Et en fait, Max Schaeffer, il s'est barré, je sais plus, en 2016-2017 pour fonder Extra Game. Et il y a d'anciennes personnes de Runic et de Blizzard Nord, qu'il avait aussi créé, ont rejoint Extra Game. Et ils se sont lancés, ils ont annoncé, je sais plus quand est-ce qu'ils sont, peut-être en 2018 qu'ils ont annoncé Torchlight Frontier, quoi. Donc tu vois, quand on te dit ouais, c'est des anciens de Blizzard, des anciens de Runic, avec Mike Schaeffer qui vont te créer un nouveau hack and slash, tu pouvais quand même être en droit de t'attendre à quelque chose de bien, quoi. Ah, en fait, je les entends pas. Je les entends pas. Je les trouve pas très présentes. Rebelle Galaxy Outlaw, je connais pas du tout. Ouais, j'ai pas. Chouchou. Il faut que j'aille à la faille. Ah, il y a un boss. Il y a un petit boss là. On va voir le temps que ça me prend pour le tuer. Là. Oh. Ah, ça va, c'est rapide. J'ai eu un bleu, mais ah, je sais pas ce que c'est. Fusil à explosion. Non, on va pas mettre. Des gants. 10 de défense. Et je perds, ouais. Je vais garder ceux qui me donnent du critique là. Ouais, je trouve ça aussi très discret, hein, franchement. Après, faut dire que j'ai fait mon premier perso là que j'ai joué sur la version release. En fait, je sais plus pourquoi j'ai désactivé le son et je suis resté sans le son jusque hier. Donc j'ai monté mon perso de 1 à 57 sans mettre le son, quoi.
Ah mince, mais j'avais même pas vu que j'ai. C'est vrai que j'ai un. Qu'est-ce qu'on va monter? On va continuer à monter le tourbillon là. Ça a l'air sympa. En plus, là, on va avoir le bonus de palier. C'est bonus de vitesse de déplacement de 25% pendant 6 secondes après l'incantation. Ouais, c'est pas terrible. Ah, par contre, après, on a le palier 2 qui est plus 10% de dégâts de relique, des talents de relique. Et ça va être bien parce qu'on va commencer après à aller chercher. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer, mais je pense que je vais le monter. Non, je vais le laisser. Je vais monter ma relique. Je vais prendre genre ça. Et ensuite, j'irai chercher les pourcentages. Je pense qu'on va faire ça. Oh là, c'est vrai. Il a une tête en même temps de mineur avec sa petite, son petit casque là, lumineux. Tu trouves que c'est quelque chose qui manque dans les. Eh ben, justement, je trouvais que pour le coup, Wallsen, ils avaient fait du super boulot sur les musiques. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, les compositeurs de Wallsen là ont été nominés au. Il y a un truc là de Music Award, jeu vidéo Music Award. Ils ont été nominés et ce qui est quand même assez sympa parce qu'ils ont fait de la belle musique, hein. Ah, ils vont faire quoi comme style de jeu, Haro? Après StarCraft, Warcraft, bon, j'imagine que ça va être un jeu de stratégie, quoi, ce qu'ils vont faire. Hein, quand tu crées un studio, autant faire ce que tu sais faire. Ah, c'est là, ok. Ah non. Alors moi, pour le coup, mon dernier gros coup de cœur en termes de musique, c'est The Slurmancer, le mec qui a fait les musiques de The Slurmancer, elles sont juste excellentes, elles collent tellement bien à l'ambiance du jeu. Ah, il faut ramasser ça. Ouais, la DA, je pense que la DA de Wallsen, c'est un petit copier-coller hein, de l'univers Warhammer. Mais les musiques sont vraiment top, quoi. Ouais, Slurmancer. En fait, je les avais en MP3 et j'ai fait une mauvaise manip. Je les ai effacés et maintenant je suis plus capable de les ravoir. Peut-être que je les demanderai. Mais elles sont excellentes. Hein. Elles sont vraiment excellentes. Ouais, il dépote bien quand même. Bon, après, ouais, c'est vrai que je joue en normal, mais. Oula, oula. Ah, j'ai pu. Ouais, même sur Grimdawn que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi les musiques m'ont pas marqué plus que ça, quoi. Mais c'est dommage parce que, en fait, sur leur Discord, ils avaient mis à la base, avant que la démo sorte sur Steam, ils avaient mis la démo en téléchargement et on pouvait justement récupérer, il y avait toutes les musiques, on pouvait récupérer tous les fichiers et je l'ai plus. Je l'ai perdu en fait les fichiers de la démo, donc bah, j'ai plus les musiques en MP3. Malheureusement. Elle est où mon chouchou au fait? Ouais. Mince, oh, j'ai complètement raté ma grenade. Ah, c'est 10 secondes pour récupérer une charge. Ah, c'est quand même assez long, quoi.
Bah, si t'as pas essayé la cette époque, Ragnhild, il est pas mal. C'est sûr qu'il est pas, c'est pas, il est pas excellent dans tous les domaines, hein. Il a encore pas mal de petits défauts. Alors attends, là j'ai eu, je pense que j'ai eu une arme à deux mains. Ouais, à deux mains, 13-5. Ouais, hop, une grosse épée. Oh le look. Hein. Je ressemble quand même pas mal à mon perso, je suis assez satisfait. Hein. Oh mon dieu. En moins bronzé, mais. Ouais, il faudra attendre voir ce qu'ils vont faire avec les chroniques sur Wolsen. J'espère que ça va être bien. Hein. C'est, pour moi, c'est, ils peuvent pas se rater hein, sur les chroniques de Wolsen. Sinon, là, les gens vont totalement perdre espoir. D'accord. Merci, Ama. Ça parce que 10 secondes c'est long. Bah normalement la bêta de... La bêta de PO elle était censée être fin de cette année mais bon avec tous les... Oh, oula! Oh, j'ai failli crever comme un con. Oh, un marteau, un marteau, un marteau, légendaire. 15, wow. Qu'est-ce qu'il donne? 15%, 15 de dégâts physiques, 9-9 de critique, 10% de vitesse d'attaque pour les attaques de base, 30 dégâts bonus avec les attaques de base, ok. Ah, moins d'énergie, de pourcentage de moins d'énergie hydraulique et 1, skill to build train. Bah go quoi, go. Oh, je pensais qu'il allait être plus joli que ça. Ouais, ok, bon, déçu, déçu. Et, allez, c'est... Donc c'est sur celui-là, j'ai plus un. Ok. Et j'ai un point, est-ce que... Non, on a dit qu'on prenait la relique, c'est vrai. On va prendre ça, là. Hop là. Ok, donc maintenant j'ai ma barre, et on va le tester tout de suite, hein. Ok, ça a l'air assez sympa. Voilà l'unique dont tu parles. Bah, c'est... Merci, hein. Vas-y, n'hésite pas à parler encore hein, des uniques. Si tu me portes chance comme ça, je vais finir full légendaire. C'est vrai que j'ai pas fait mon pouvoir, compétence, hop. J'ai même pas rajouté. Alors j'ai quoi? Non, ça c'est celui que j'ai. Il me fait en lançant. Attaque de base. Ouais, non. Ah, les compétences de mouvement. D'accord. Ça, je peux l'utiliser pour que ça se recharge plus vite. Ouais, non. Ah, mais attends, je bénéficie en plus de tous les légendaires de mon compte en fait. Comme quoi j'en ai, j'en ai, j'en... Ah non, attends. Non, 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 parce que ça. Ah oui, ça c'est tireur uniquement. Si, si, donc c'est bien ça. On bénéficie en fait sur les persos, on bénéficie de. Putain, j'en ai quand même, j'en ai pas débloqué beaucoup. Hein. J'ai aucune chance au. Hop. Donc normalement, si j'utilise... Ah mais en plus j'ai 4 charges maintenant. Oh mais c'est trop bien. Il faut que... Ah non, elle est à l'épreuve de feu.
Ok. Je vais peut-être aussi faire ça. Ah, par contre, nos niveaux aussi, là, c'est. On reste sur nos niveaux de renommée. C'est partagé au niveau du compte. Oh, c'est pas top ça. Et donc là, j'ai chopé ça. Donc, décoration de fort. Ouh. Des champignons. Hop. Et c'est tout. En HL, sur Last Epoch, tu as deux trucs pour le moment. Tu as une arène qui ressemble au Crucible de Grimdon. Donc voilà, sauf qu'elle est infinie pour le coup. Contrairement à Grimdon où t'as 170 niveaux, hein, c'est ça? 60... après, tu as ce qu'ils appellent les. Le Monolith of Fate, qui est une sorte de progression. Enfin, c'est une sorte de mapping. Du mapping comme dans PO. Voilà, avec des affixes. Salut Chronos! Ouais, t'as vu ça, regarde! C'est le roleplay. Le roleplay a poussé à son paroxysme. Oh putain. Et il va encore y avoir des trucs en termes de endgame, parce que bah, en plus c'était hier, je regardais la roadmap de Last Epoch sur ce qu'ils avaient prévu, sur la quatrième partie de leur roadmap. Je pense qu'il y a encore deux. Il y a deux trucs endgame qui arrivent. Alors je sais plus qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelait. Mais sur le site, de toute façon, il y avait le. Alors attends, hop, Ken/World. J'ai regardé ça vite fait sur le site. Merde, oh là là, le con. Hop, Last Epoch. Ah bah c'est bon, il s'est fait. J'ai juste. Mon train il est là. Last Epoch, on va chercher Roadmap. Oh, qu'est-ce qu'on en a écrit des articles sur Last Epoch? Ah. Last Epoch repoussé. Ok. Ah si si, ah oups, il était là. Hop, une roadmap. Hop. Comme ça, je vous mets le lien. Hop, dans le chat. Voilà, et ils ont prévu sur la phase 4, il y avait tac tac Endgame System Epoch Scroll. Je sais pas trop ce que c'est, et il y en avait un autre. Endgame System Gates of Memorium. Voilà, c'est les deux systèmes Endgame qu'on ne connaît pas encore et qui avaient été annoncés. Non non non, excuse-moi Chronos, non, je suis pas en Endgame. Là, je suis reparti sur un nouveau personnage, donc qui est niveau 7 ou 8 là. D'ailleurs, hop, on va envoyer notre. Et je ferai, je sais pas quelle heure il est là, 22h11. Je pense que juste avant, enfin vers 23h30, je ferai un peu de endgame pour montrer à quoi ça ressemble. Mais là, au final, comme je voulais. Le but, c'est aussi de discuter avec vous. Bon, je préférais partir sur un petit truc tout simple, voilà, tout basique. Pas de difficulté, on avance, on discute. Ouais, je sais qu'on veut le rogue pour elle. On veut le rogue et on veut le fauconnier. On veut le fauconnier.
En tout cas, elle est quand même. Je trouve qu'elle est assez plaisante cette classe. J'avais un petit a priori, mais en fait, c'est. Ça va, c'est assez sympa. Ah, c'est vrai que j'ai pas utilisé encore ma relique. Ah, il y a un petit délai quand même pour qu'elle se déclenche. Hop. Ouais, de l'optimisation pour la cette époque, on est tous d'accord. Mais ça, comme ils étaient en train de tester le. Ils étaient en train de tester le endgame. Le endgame. Le multijoueur en interne, je pense qu'il y a dû aussi avoir de l'optimisation. En tout cas, en termes d'impact, on ressent bien les impacts. C'est. Je trouve qu'ils ont bien fait. Ça, il faut avouer. C'est la classe là au CAC, elle est super agréable à jouer. Ah, toi non plus, Hibou, ça te dit rien. Non, franchement, elle est. Ça va. Question bête, comment on fait pour utiliser sa relique? Ma barre bleue de relique n'apparaît pas. Si elle apparaît pas, c'est que t'as pas encore de choisi de talent actif de ta relique. Voilà, sinon ça apparaît dès que t'as. Dès que t'as un talent actif, elle va apparaître. Voilà. Par contre, si t'as choisi un passif, bah, elle apparaîtra pas parce que le passif n'a pas besoin d'énergie de relique pour se déclencher. Bon, on va passer. Les cinématiques pas super intéressantes. Hein. Ah. Slurmancer, ils ont prévu normalement un early access avant la fin de l'année. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive plus fin novembre pour Slurmancer. La dernière fois, ils ont montré une vidéo là de où ils avaient déjà bien avancé, où on a pu voir ils étaient à peu près niveau 30 leur personnage et utilisaient pas mal de talents, tout ça, mais il me semble que pour l'early access, ils voulaient avoir fini le mode campagne. Oh là, il me charge. Aïe. Ah, c'est en normal, ça va vite. Hein. Ah. Hop. À chaque fois que je vois cette couleur violette, j'ai l'impression que c'est un légendaire, mais non, c'est pas la couleur hein, des légendaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins bien. Ok, rien d'intéressant. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. J'avoue que je me rappelle pas du tout du scénario de Torchlight 2. Ouais, c'est vrai, mais maintenant, en fait, t'as souvent des jeux en accès anticipé. Et d'un autre côté, moi, j'aime bien y jouer. Et ça permet de faire des retours sur le jeu. Et c'est vraiment ça. Parce que l'Early Access est vraiment fait normalement pour ça, pour pouvoir donner des retours sur le jeu. Généralement, c'est les gens qui ont pas des grosses. Comment dire? Des grosses équipes de QA et qui ont des jeux assez complexes à tester qui vont faire ça, quoi.
Tiens, des bottes avec plus de défense. Mortarcar, c'est quoi ça, Mortarcar? Putain, vas-y. Ça m'étonnerait que ça. Non, c'est peut-être plus ça, c'est ça. Non, à réduire. Je sais pas. Je vois pas ce que c'est le Mortarcar. Le cadion. Ah, ça attend. Alors attends, c'est quoi? Wagon bouclier, wagon. Ah ouais, ok, celui-là. Pardon, je l'avais pas vu. Donc je m'en fous un peu. Tac tac tac. Je l'oublie tellement souvent le mon chouchou là que. Des potes qui s'amusent bien sur Phasmaphobia. Ah ouais, je le vois pas mal Phasmaphobia sur sur Twitch. Mais j'ai pas trop vu ce que c'était. Et Second Extinction, là, le truc avec les dinosaures. Ouais, de la narration, choix multiple. Bah, on va avoir. Comment ça s'appelle Cyberpunk. Hein. Cyberpunk qui va être pas mal. Il faut qu'on aille où là? Ah, il faut qu'on retourne à notre base. Hop. These are perfect. Kenick called me a fool, but I knew you'd see. Ok. Where'd that old drunk go anyway? Qu'est-ce qu'on prend? Décoration de fort ou un tas de planches de bois. Bon, allez, on va prendre hop, un petit truc aléatoire. Le fort qui sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'on a eu? Une cabane branlante. Impressionnant. Et il faut qu'on aille au village de. Bon, on va retourner là. Bah après moi je trouve que Wolsen en termes d'histoire il est cool et en plus je trouve qu'il est il y a quelque chose qu'on voit rarement dans les jeux, en tout cas dans la hack and slash, c'est t'as les cinématiques quoi, et moi je trouve que les cinématiques c'est quand même quelque chose qui te permet de bien t'imprégner de l'histoire. Même si le scénario est convenu, je trouve que c'est voilà. On va peut-être pas aller par là. Ah, t'as pris le collector de Cyberpunk. Ah ouais. Ouais, c'est. J'ai fait une. En fait, quand je suis allé à la Gamescom en 2019, il y avait des stands où on pouvait tester Cyberpunk. Et en fait, c'était quoi? C'était le premier jour de la Gamescom. C'est réservé aux gens qui exposent et réservé à la presse, tout ça. Donc nous, on avait eu des accès presse. Et je suis même pas allé le tester alors qu'il n'y avait pas de queue et tout. Et quand j'ai voulu aller le tester, bah, il y avait une queue de malade. Donc ça servait plus à rien. Mais bon, c'était ouais, c'était août 2019, donc depuis je pense qu'il a bien changé le jeu. On a hop, un petit talent. Hop. Qu'est-ce qu'on a après? Ça coûte cher en relique. En coup de relique. Ça fracasse bien quand même.
le jeu le plus hypé que ces dernières années. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il va battre des records sur Twitch. Cyberpunk, ça va être un truc de fou, quoi. Attends, comment ça, je peux plus ramasser de sous, je suis déjà à 20 000. Ah mince. Alors ça, c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais vu. C'est, on est limité à 20 000. Non mais sérieux? Alors je vais faire un truc très sympa, je vais aller en ville et je vais tout claquer dans les jeux. Et en plus c'est de l'argent qui est partagé sur le compte, donc tous les persos se partagent de l'argent, mais pourquoi le limiter à 20 000 quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a de pourri dans notre inventaire? On a un casque, ouais, ok, on va acheter des casse-gants, et, on va essayer de voir. On va voir si on a un peu de chance. Ouais, pas de chance. Ah, voilà un petit casque bleu. Oh, un autre casque bleu. Encore un truc de... Ok, donc ça, tout ça on peut dégager. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Ah j'ai plus 1, ouais, mais en fait je m'en fous d'avoir les plus 1 sur mes talents. Défense, quand le feu, ça c'est pas mal. Ouais, hop, je vais mettre celui-là. Voilà, hop, et on va vendre tout le reste. Hop, et on va lui racheter des trucs. Qu'est-ce qu'on va lui racheter? On avait dit épaulette. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, de l'or. Allez, on va garder celles-là, elles sont bien. Hop. On va acheter des gants. Tu claques toute ta thune pour les gens derrière. Ouais, bah tu vois, regarde, moi j'ai rien. Hein. J'ai. Non, c'est si c'est ça que je voulais. Moi c'est le bleu, c'est le maximum que j'ai, hein. Ça existe pas là. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Non. Tac, et là. Ouais, on va mettre ça là. De toute façon, c'est pas les trucs qu'on va garder super longtemps. Mince. Faire plein de runs, j'ai dédié mon premier camé autodestruction qui tue. Ah ouais, non mais moi ça sert à rien, moi je suis le pire poissard du monde en termes de loot, hein. Et tu vois, j'ai fait mon run, je l'ai fait, mon premier run, je l'ai fait en absurde, avec plus 20% de MF, quoi. Et j'ai rien, quoi. J'ai juste rien, quoi. C'est juste... Oula, ce que... Ah, mais je ramènerai les meufs de la boîte de striptease pour des parties de jambes en l'air lesbiens. Ok. Le stream est en train de... Le chat du stream est en train de partir en live. Ça parle de stripteaseuse de... c'est par là qu'il faut que j'aille. Après, c'est...
C'est la même chose que Kadala, tu vois. Kadala, elle te donne jamais rien. Bah, enfin, en tout cas, bon, elle me donne jamais rien. Bah, là, c'est pareil, dans le jeu, elle me donne jamais rien. Et je suis maudit. Hop. Ça marche en couleur. Merci d'être passé. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien. À plus. Cadalope, la fameuse Cadalope. Et je pense aussi que j'en parlais hier avec le hibou. Je pense qu'on va, je vais peut-être dédier une deuxième, je vais faire une deuxième soirée stream. Et cette fois-ci, en fait, ça sera dédié à des jeux, mais vraiment purement multi. Et s'il y en a qui sont intéressés, bah, faire voilà des petites soirées multi sur différents jeux. Toujours hack and slash, hein, mais voilà. Ça pourrait être faire du Diablo, du PoE, enfin, les jeux du moment. Je pense qu'il y a la prochaine mise à jour de Kill Squad qui va arriver bientôt. Donc s'il y a des gens qui ont Kill Squad, voilà, ça pourrait être ce genre de choses, quoi. Je sais pas s'il y en a qui ont testé Kill Squad. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'ils vont augmenter le contenu et donner un peu de diversité au jeu. Parce qu'il est, il est vraiment sympa, quoi. Alors, est-ce que c'est un hack and slash? En fait, Kill Squad, tu. En fait, on peut pas dire que c'est un pur hack and slash. Non, mais il y a les mécanismes. Hein. Finalement, qu'est-ce que tu mets derrière hack and slash? Moi, généralement, ce que je mets derrière hack and slash, c'est du loot, des mobs que tu vas te trucider et une sorte de build, quoi. Voilà, après c'est sûr qu'ils sont partis sur un système où tu à chaque mission tu repars au niveau 0. Mais justement ça a été un reproche qui leur a été fait. Et le reproche était de dire bah. Hein? Attends, j'ai cliqué sur un truc là. Attends, j'ai pas fini là. Ah non, 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 non. Ah ok, c'est un truc qui est apparu comme ça. Ok. Et j'ai pas fait attention. Voilà. Et ça, c'est un problème, tu vois. Ce boss-là, on l'a fait tout à l'heure. Et c'est une réutilisation, mais massive de tout le contenu, quoi. Il y a très peu de diversité, quoi. Mince, je l'ai raté. Ouais, mais j'ai même pas vu qu'il était apparu le portail de faille. Mais je me suis dit, c'est quoi ce délire? J'ai failli crier au bug, quoi. J'ai failli crier au bug. Putain, mais même en. Oh, je l'ai raté. Même en normal, putain, ils sont longs à descendre. Hein.
J'ai pas vu qui partait. Bonne nuit à ceux qui partent. Merci d'être passé, c'était super sympa, merci. Kill Squad, ouais, c'est en gros, c'est des missions où tu vas à chaque fois recommencer niveau 0. Et tu peux monter jusqu'au niveau 10, et donc t'as des builds que tu peux faire un peu comme, comme Darksburg. Mais par contre, là, ils sont en train de rajouter des objets genre que tu vas pouvoir équiper et qui vont te faire une sorte de... T'auras une partie build constant et une partie build en mission qui vont se complémenter. Et donc ça peut être assez intéressant. Attends, il est où mon coffre? Ah, en plus j'ai un pet. Ouais, hop. Oh. Ouais, bon, on va. C'est ça, c'est je vais quoi là? Ça par contre, et je vais le... Ah, j'ai pas encore, c'est au niveau 20, on débloque le deuxième. Bon, c'est pas grave. Hop. Comment ça? Il est, c'est, je sais pas, c'est, il a la classe quoi, il a la classe. Et c'est un jeu qui est ultra dynamique, Kill Squad, qui est vraiment, tu te plonges dans l'action tout de suite. Il y a des, il y a, à l'heure actuelle, il y a 4 persos différents. Qui ont vraiment des gameplays différents. T'as un tank, un healer, une DPS CAC et un distance. Donc c'est des armes un peu. Enfin c'est futuriste quoi, c'est des pistolets, tout ça. Et la CAC elle a genre de grosse épée et le tank il a un marteau. Et c'est assez plaisant ça. Ouh. Œuf du chaos, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si, je sais pas si je l'ai déjà eu ou pas. C'est quoi? Non, je pense que je l'ai jamais eu. T'aimes bien la DPSK? Ouais, c'est pareil. Je l'ai monté, j'ai quasiment joué qu'avec elle, mais j'aimerais bien tenter le healer. Je tenterais bien le healer. Il a l'air d'être assez fort aussi. Qui fait pas mal de DPS encore. Est-ce que tu peux m'apporter un peu d'eau, s'il te plaît, ma chérie, une bouteille d'eau, s'il te plaît. Alors, quel boss va-t-on avoir? C'est limite la blague. Hein. Merci ma chérie.
Non, non, c'est pas la poisse, je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas une grosse diversité. Et je pense que comme on est sur l'acte 1, bah, il reclaque, je pense, ce que j'ai déjà fait. Et il te montre pas des boss que tu aurais pas fait, je crois. Je pense, hein. Je dis ça, mais j'en sais rien, mais c'est ce que j'imagine. Genre pour pas te spoiler les boss que t'aurais pas fait, quoi. J'ai 26. Oh, c'est cool. 22, 900 de critique. Allez, hop. Hop, on va relâcher. Oh, mais. Ça fait deux fois que je l'ai, hein. Niveau 4, et maintenant je l'ai niveau 9. Bon, ben, go niveau 9, hein. Ah, il a plus de place, mon petit familier. Hop. Bah ouais, elle n'est pas encore sortie en fait. Core, la mise à jour Core, elle est disponible qu'en bêta. Puis il y a toute une manip à faire. En plus, ils avaient dit qu'il fallait sauvegarder tous les trucs. Moi non plus, je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de faire les manips. Par contre, je pense qu'elle va sortir, je pense, demain. Normalement. Ils avaient dit 2 semaines, donc demain, ça fera 2 semaines qu'ils l'avaient annoncé. Donc je pense, ouais, qu'elle va sortir demain, et ouais, je la testerai pour sûr. Et je pense qu'avec l'équipe du site, on va faire une petite soirée multi dessus. Et après, ouais, j'en ferai une aussi... avec les gens de la chaîne, avec grand plaisir, quoi. Alors attends, hop, c'est par là. Ouais, il y a toujours le système. Non, c'est pas par là, je me trompe. T'as toujours le système de pet qui va vendre. Ça, c'est bien. Mais je trouve qu'il met un peu de temps, quoi. Ouais, non, tu rigoles ou quoi? C'est pas toi en tant que sauveur de l'humanité dans Torchlight, que revient à qui revient cette basse besogne d'aller vendre le loot dont tu n'as pas envie, quoi. Non mais. Sur le site, alors on est trois réguliers, on va dire. Il y a moi et Taza qui faisons toute la partie rédactionnelle. Et il y a. On a une personne qui fait tout ce qui est relecture. Parce que Taza et moi, on est très très mauvais en orthographe. Donc voilà, on a quelqu'un qui nous relit. Et après, on a des personnes un peu plus. Enfin, qui sont. Moins active, mais qui nous apporte des infos, etc. Et donc deux personnes en plus. Voilà. Et après, j'ai ma magnifique femme qui s'occupe un peu de tout l'administratif. C'est le hibou, ouais, mais c'est normal. Ah, oh, t'avoues qu'il fait pas grand chose hein, depuis tout à l'heure, le hibou. Ah, c'est mon chouchou. Ah, il est là pour la déco, le hibou. Hein.
Je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un niveau. Je l'ai jamais eu celui-là non plus. À la limite, j'ai plus de loot que qu'avec mon perso qui a joué en absurde avec plus 20 MF quoi. C'est n'importe quoi. Alors dans Wolsen, il y avait du housing de prévu, mais je pense que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et là, cette époque, pas du tout. Qu'est-ce qu'on va prendre comme talent? On continue à monter ça, là. Quoi que j'ai... Ouais, je vais au moins aller chercher les... Ah, la zone... ça, il y a une zone de feu qui apparaît. Donc ça, c'est... je pense que ça va être pas mal. Ça va faire plus de dégâts si je fais ça, là. Elle est où, la zone de feu? Attends, je la voyais pas très bien. Hein. C'est ça, la zone de feu, là? Ok, c'est pas super visible. Hein. C'est quoi ça? Tac. Non. Ce qu'on va faire, hop, on va tout donner à la chouette. Tiens, regarde, je lui donne même de loot légendaire à la chouette. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Ah, il faut que je sauve les mecs là. J'ai oublié de le faire. Ah bah voilà. Heureusement, ils étaient pas trop loin. Et l'autre, il est là-bas. Encore? Ah non, j'ai cru que c'était encore un truc qui s'ouvrait. Ouais, t'as vu ça, hein? Moi je suis généreux, je donne mon loot comme ça. Je... Ah mon train. Manuel, t'oublies trop souvent ton train. Ça a été rapide. Et le truc en absurde, c'est que les mobs, ils font la même chose, mais ils sont juste 100 fois plus longs à tuer, quoi. Bah rien d'exceptionnel en termes de loot. Morbid Angel, c'est quoi? Il faut aller à l'atelier. Je pense qu'il faut aller vers en haut là. C'est quoi ça morbide?
Ah, tu veux dire Morbid The Seven Acolytes? Ah, c'est super pratique. La moustache et boire de l'eau. Non, c'est Morbid The Seven Acolytes. Développé par Running Games, c'est ça, hein? Still Running. Voilà, et là on a. Enfin, c'est les monstres qu'on retrouvera aussi beaucoup. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. C'est gobelins, araignées et trucs comme ça, la mécanique. Ouais, moi ça va, je fais pas trop attention à cet aspect-là des jeux. Et j'aime bien les Chronicon, les Hero Siege, tout ça, je trouve qu'ils sont sympas, ces petits jeux. La densité de mobs est quand même assez faible, hein, par rapport. Bon, on a tracé tout droit. Hey, salut Invino. Merci beaucoup Invino pour ton message sur la vidéo de dimanche. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, ne va pas croire que j'ai une vieille moustache. Mon dieu. Je me dis... C'est juste que je suis ultra roleplay par rapport à mon personnage. Ça marche, Ragnil, merci d'être passé, amuse-toi bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retourner en ville. Je trouve que l'histoire elle est complètement anecdotique. En fait, il y a une vidéo qui va sortir sur le test de Torchlight. Hein. Elle va sortir. Je l'ai écrite. Il faut encore que je l'enregistre, que je la monte. Donc peut-être demain ou vendredi. Mais en gros, c'est ça. C'est on traverse un peu l'histoire sans vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'ai deux points là. Qu'est-ce que c'est? Je crois que là, je sais pas quoi faire. Pas de soucis. Au contraire, grâce à toi, j'ai pu me remettre sur un bon jeu. Là, à cette époque, j'avais pratiquement mis aux oubliettes. Ton live était super. Ah, c'est super sympa! Merci, merci, franchement merci. Et moi je suis content pour Last Epoch aussi parce que Last Epoch c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je te l'ai pas mis en commentaire mais j'avais exactement la même sensation que toi. Quand j'ai lancé pour la première fois le jeu, j'ai fait aïe, qu'est-ce que je viens d'acheter. Et c'est vrai que j'ai eu un peu mal à mon porte-monnaie.
Mais en fait, je le regrette plus maintenant. Je le regrette plus parce que le jeu était vraiment super, il s'est vraiment bien amélioré, etc. C'est quoi, c'est un passif? Un passif et une chance d'esquive. On a des chances de brûler plus 5%. Ouais. Faire ça. C'est quoi le... Ah non, on n'a pas de palier sur celui-là. C'est pas grave. Recruit, good job on rescuing our officers. It appears that Yapper is behind this farce. As usual, I have Kenneth. Et je pense que s'il n'y a pas de nouveau jeu qui sort, on refera un live Last Epoch, je continuerai mon perso. Je ne l'ai pas du tout avancé parce que je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que je vais prendre comme spé. C'est malheureux à dire, hein, mais je sais pas, je suis bloqué. Je sais pas si je dois choisir un Void Knight, un Paladin ou l'autre là, le Forge Guard. Ouais, en fait, on sent vraiment dans Last Epoch que les devs sont des passionnés du genre. Et en fait, on a l'impression d'avoir affaire à des joueurs qui ont le talent nécessaire pour créer un jeu, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ah mince, je suis blindé là. Ok, bah le hibou, il va falloir bosser un peu. Je pense que c'est par là qu'il faut. Et j'espère qu'ils vont continuer à pouvoir le faire, hein, comme normalement Last Epoch devait sortir en avril de cette année. Il a été repoussé à la fin de l'année. Il a été à nouveau repoussé à une date ultérieure. Cette fois-ci, on ne sait pas. Et j'espère qu'ils vont continuer à pouvoir le faire, se permettre, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même gagner un peu d'argent. Mais je pense qu'avec l'Early Access, je pense que ça, ils en ont un peu eu. Et qu'ils vont pouvoir continuer, si jamais ils sont pas satisfaits encore de ce qu'ils ont, bah, de repousser, repousser, repousser. Ouais, j'étais en train de te dire, Yvou, qu'il fallait que tu t'ailles vendre mes breloques en ville. Il y aura à un moment donné une traduction FR pour Last Epoch. Salut Axel, bienvenue. Ouais, il y aura une traduction. Il y aura une traduction pour Last Epoch et malheureusement, ça viendra après la sortie du jeu. Voilà. Il faut savoir que Last Epoch, bah, c'est développé par un studio indépendant et que bah, ça coûte cher, hein, de faire les trads. Et surtout, comme ils n'ont pas encore fini, bah, ils attendent d'avoir fini pour pouvoir passer à cette étape du jeu, quoi. Oh putain, j'ai rappuyé dessus, quoi. Putain, c'est... Alors. Même boss? Ah bah oui, tiens. C'est une blague, hein. C'est pas super vendeur, hein. Je stream le jeu, je fais des sortes de boss aléatoires, je tombe trois fois sur le même. S'il y a des gens qui viennent en intermittent sur le live, en fait, ils vont se dire, putain, mais le mec, il est toujours sur le même boss. Ça fait 30 minutes qu'il est sur le boss. Après, c'est vraiment si t'as... Parce que l'histoire, tu t'en fous un peu, hein, de Last Epoch, voilà. Si après, vraiment, t'as du mal sur l'anglais, ouais, effectivement, sur certains, comme il y a beaucoup de talent, etc.
Il faut quand même un peu comprendre ce que tu fais, mais tu peux toujours venir. Je sais pas si t'es sur le Discord, mais poser les questions. Il y a des gens qui live sur le Discord, qui font des petits streams. Si jamais t'as des questions, tu viens dessus. Et puis tu peux suivre un build déjà fait, et puis ensuite essayer de voir hein, si. Bon, bah, c'est pas comme si on, ça faisait trois fois qu'on l'avait battu. Hein. Mon inventaire. Ah, attends. Oh, mais c'est. Je pense que j'avais jamais encore fait attention à mon pet. Attends, je vais lui donner des trucs quand même à mon pet. Le pauvre. Hop. On a quoi là? Ça, c'est nul. 103 et il a 122. Ah, bah, c'est des. Il a déjà un truc mieux en fait. Bon. Pour le test du jeu, tu mets ce boss en boucle dans la vidéo. Ouais, mais c'est dommage quand même de. Oh oh oh. Ça, je pense que je l'ai déjà. Je vais quand même envoyer au fort. Hop. Et j'ai un nouveau petit marteau. Super, on va pouvoir rééquiper notre marteau. Si, il y a sûrement des choses. Moi, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, le lore. Généralement, je passe assez vite. Par contre, quand le jeu sortira définitivement, ouais, je prendrai un peu plus le temps de voir l'histoire. Mais bon, pour le moment. Ouais, je peux comprendre. Après, franchement, tu peux être patient encore, hein, sauf qu'on sait pas quand est-ce qu'il va sortir à cette époque finalement, puisque là ils ont rien annoncé. Donc si t'as plus de jeu auquel jouer et que t'es vraiment en manque de hack and slash, bah il faut pas hésiter quoi. Bah écoute, moi Torchlight, on va sortir, ce que je disais tout à l'heure, on va sortir une petite vidéo dessus de test. Moi je pense que c'est un jeu qui a visé la simplicité et l'accessibilité. C'est un jeu que tu vas jouer un petit peu de temps en temps et qui va pas te tenir en haleine comme peut te tenir... Un PoE, ouais, je vais pas dire un Diablo parce que Diablo, c'est, je trouve que c'est un peu abusé quoi. La durée de vie de Diablo est abusée par rapport à son contenu, mais c'est parce que comme ça s'appelle Diablo, ça passe. Voilà, mais ouais, c'est un jeu qui malheureusement est trop. Il est trop plein de défauts. Il a un gameplay sympa. Putain, mais c'est pas possible, quoi. En plus, je reclique dessus, quoi. Attention, le running gag de la soirée est en marche. Putain, mais... J'ai l'impression de faire que ça de la soirée quoi, ce boss. Et donc ouais, Torchlight c'est sympathique, mais c'est pas le jeu qui va révolutionner le genre, ni qui apporte grand chose. Il apporte rien. Voilà, c'est un jeu transparent qui restera pas dans les mémoires.
crois que j'en ai eu du parchemin de sang là. Les bottes 29 de défense, elles sont bien celles-là. Bon après le troisième bonus il est nul, mais je vais quand même les prendre. Hop, et le reste on s'en fout. Ah merde, mon familier il est plein. Allez hop. Ouais, le hack and slash c'est assez de niche. Et là, en fait, c'est juste qu'il est accessible à tous, quoi. Tu vois, quand tu regardes les talents, il n'y a pas de réel choix à faire, il n'y a pas à se creuser la tête. Tu as 14 talents sur tes deux arbres, plus les 10 ici de ta relique. On est sur quelque chose de très basique. Moins basique qu'un Minecraft Dungeon, hein, mais c'est quelque chose de très basique. C'est un jeu ouvert à tous, mais qui ne plaira pas aux amateurs du genre plus que cela, quoi. Putain. La prochaine fois, faut pas que je clique sur sur le portail. C'est catastrophique. Je l'ai fait au moins 4 fois ce boss. Ah mince. Ouais, on a quasi. Ouais, peut-être que je vais réussir à finir. Ouais, mais en fait, ouais, non, de dire que c'est un mauvais hack and slash, en final, non, je vais essayer de préciser mes propos. C'est un mauvais hack and slash pour les gens qui aiment le genre et qui sont passionnés par le genre. Voilà. Après, c'est un bon hack and slash pour quelqu'un qui souhaiterait découvrir le jeu, enfin découvrir le genre, qui voilà, sans trop se prendre la tête, sans être frustré. Quelqu'un qui arrive sur PoE, mais on lui dit ouais, ça c'est du hack and slash, mais il revient jamais de la vie, quoi. Il abandonne direct, il dit ah mais c'est ça un hack and slash, comment vous pouvez vous amuser là-dessus quoi, c'est juste pas amusant. Quelqu'un qui découvrirait le jeu avec Torchlight, il dit oh c'est marrant et tout, ça pète de partout, c'est un gameplay assez fluide, c'est rapide, on bute du monstre, on a du loot, on progresse, ouais c'est marrant. Et il voit pas forcément les mauvais côtés que on peut voir quoi. Merde, ah, je me suis trompé, je voulais faire ça. Alors après les pros, moi je dirais pas les pros hein, parce que je me considère pas comme pro tellement je suis mauvais. Mais on va dire pour les amateurs du genre, ceux qui aiment construire leur personnage, trouver des builds. Et encore, je suis pas un builder, hein, et il y a plein de jeux où je reprends des builds. Mais voilà, c'est le plaisir, le plaisir de prendre des niveaux, de voir son personnage évoluer, le stuff, essayer de dire ah tiens, qu'est-ce qui serait mieux. Allez, on va essayer de faire un peu les mobs ici. Faut que j'aille... Ah, aller au chenil. Ah mais attends, je me suis complètement planté de chemin, quoi. Faut que j'aille de l'autre côté.
Ouais, tu vois, j'aime bien PoE, mais pour le coup, PoE et faire des builds, c'est pas mon truc. Et je trouve qu'il faut avoir trop de connaissances pour y arriver. Et généralement, enfin, PoE, je prends toujours des builds qui sont faits par des builders et ça me va très bien et je m'amuse. Par contre, sur des jeux comme, voilà, là, à cette époque, j'aime bien un peu chercher par moi-même. Sur les Grimdawn, c'est pas évident. Généralement, je préfère quand même partir sur des builds existants et après essayer de trouver des variantes. Voilà. Mais ouais. Après, je ne joue pas que à des hack and slash. Hein. Je suis pas monomaniaque. J'aime bien un peu tous les genres de jeux. Je pense qu'il y a que les shooters que je. Et encore les shooters looters à la Destiny, j'aime bien. Les The Division aussi, je trouve ça sympa. Ouais, en fait, j'aime tout, quoi. Même quand Fortnite était en mode PvE, j'aimais bien. Je trouvais ça sympa comme concept. Oh là 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 là, tellement de loot. Hop, allez le hibou, on est reparti en ville. Ouais, il faudrait que je m'y remette à Grimdawn, mais comme j'ai perdu mes persos dernièrement, en fait ça m'a foutu la flemme de m'y remettre, mais dès qu'il y aura un creux dans les jeux, je pense que je m'y remettrai. Ouais, j'ai bien aimé Borderlands, et surtout c'est les jeux multi, tu vois, que tu peux faire avec des potes, je trouve ça toujours sympa. Après, on aimerait bien qu'ils nous sortent un petit Grimdawn 2 quand même. Et je sais pas, ils étaient partis dans un délire de faire un city builder. Perso, le city builder. Je pense que c'est. Ouais, c'est pour le coup, c'est les jeux de stratégie que je fais jamais. Parce que je sais pas ce que je fais. Mais moi, au bout de 5 minutes, ma ville, elle prend feu, il y a tout qui part en live, et c'est tout se détruit, quoi. Bon, ça va, je me rends compte que je suis pas tout seul. Merde, oh là, je l'ai complètement raté. Et c'est lui qui faut tuer, Cabo rival de Japper. Ah ouais, c'est lui. Ah non, ah là. Ah si quand même. Ah j'ai encore eu le même, mais c'est pas possible quoi. Bon bah et en plus c'est. On va
va mettre celui-là parce qu'il y a, y a des dégâts de coups critiques et des chances d'équipement. Mais. 3-15. Pour une fois que j'en ai, c'est des pourris quoi. Hop, relâcher. Putain, mais j'ai jamais eu autant de. C'est le truc de 7 ça? Ah, c'est le truc de 7. Wouhou. On va le mettre, hein. Et on a des talents. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je fais encore? Est-ce que je monte ça? Ou est-ce que je monte ça à fond? Ça a l'air assez sympa, ça. Salut, Ace Joker. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il reste. Bon, il reste encore un peu de temps. Hein. Il reste encore un peu de temps. Et puis, de toute façon, il y aura la vidéo qui sera disponible sur, sur la chaîne en, en VO2. Hein, où tu pourras apprécier ma magnifique moustache. Hein. Qu'est-ce que. Voilà. Ça, on va augmenter nos chances. On va booster ça à fond. Et après, on partira là-dessus pour aller étourdir, je pense. Je pense qu'on peut se barrer, là. Aller à l'antre des rats mousse. C'est au même endroit, c'est par où? Quoique non, hop, il faut sortir. Ah, ça doit être de l'autre côté, ça. Ah, bah c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie tout le monde, tous les gens qui passent sur la chaîne, qui likent les vidéos, qui mettent des petits commentaires, c'est vraiment super sympa. Parce que bah, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Et puis en plus, moi je trouve que tous les commentaires sont, sont agréables. Il n'y a jamais de... Il n'y a pas de toxicité, on va dire. Donc merci, c'est super cool. Est-ce que tu m'aimes comme ça, ma chérie, avec une moustache? Non? C'est difficile? Pourtant, tu sais que c'est mon rêve le plus profond d'avoir une moustache à la Mexicanos comme ça. Hein? Je me suis complètement planté. Là-bas, c'est le fourré des guetteurs. Donc, c'est pas là où je dois aller. Ah, c'est là-bas, entre des rats. Tu vas rêver de moi toute la nuit avec ma moustache. Par contre, je la remettrai pas à tous les lives. Là, c'était vraiment juste pour le perso. En fait, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu le perso avec sa moustache, je me suis dit, en fait, tiens, je vais faire ça. Et c'est là, tout à l'heure, juste avant le live, je suis parti. Il y a un magasin de farce et attrape déguisement à côté. Et je suis allé acheter ça. Ça m'a fait rire. Je t'entends pas, ma chérie, parce que j'ai les oreillettes et c'est des oreillettes anti-bruit. Vas-y, rapproche-toi en fait, ma chérie. Un truc qui est à un magasin de déguisement là, dans Boulogne. Ouais, ouais, dans la rue là. Allez, on va essayer de faire un beau petit gros tas.
Hop là. Nickel. Ah, en mode normal, c'est quand même une autre expérience qu'en absurde. Hein. Oh, ah, mais absurde, avant le niveau 30, tu ne fais que lutter, quoi. Tu passes 3 heures sur les mobs. Genre, quand tu vois des mobs comme ça arriver, tu dis, oh non, ça va durer tellement longtemps. Alors, ils nous en font encore... Allez, encore deux, et on a encore un, et on aura fini. Mince. Ouais, c'est ennuyeux, puis en plus ça apporte rien. À part le fait d'avoir un badge au-dessus de la tête qui dit « Ouais, mec, tu fais tout le jeu en absurde », ça apporte strictement rien. Et même la MF, j'ai l'impression qu'elle est complètement buggée, parce que j'ai eu plus de légendaires avec ce perso-là, qu'avec mon perso qui est en absurde, quoi. Ouais, mais là c'était le but Joker de rouler sur le jeu, parce que au moins ça me permet de pouvoir faire autre chose pendant que je joue, de regarder le chat, de répondre aux gens. Et ça aurait pas été sympa de... Tu sais, genre... En plus, c'est un hack and slash, quoi. Généralement, ce que t'aimes dans un hack and slash, c'est tout dépoter, quoi. Donc là, si c'était pour prendre 3 heures pour tuer des packs de mobs, ça allait vite être lassant, quoi. Là, je m'étais dit, le but, c'est au moins d'aller jusque la fin de l'acte 1. Je pense que... Ah mais en fait il faut que je sorte là, aller au fourré du guetteur. J'ai fini quoi. Il n'y avait pas un boss là-dedans? Ouais, là il n'y a rien. Ouais ouais, je sais très bien que c'était pas un reproche. Je me suis tâté en plus, je me suis vraiment tâté à dire est-ce que je joue en absurde ou pas, et je me suis dit ouais, ça va pas être agréable pour les gens qui regardent. Si j'avais été tout seul, je l'aurais fait. Voilà, mais là... Voilà, je me disais bien qu'il y avait un boss. À chaque fois, il y a cette il y a cette couleur orange, et t'as l'impression que tu vas forcément avoir un légendaire. Je suis un peu le connard qui se met en hardcore et après qui se plaint. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, qu'ils aient proposé des niveaux de difficulté, je trouve ça très très cool. Par contre, que ça soit de la difficulté artificielle en augmentant les dégâts et en augmentant les PV. Bah c'est vraiment dommage quoi. Parce qu'au final il n'y a pas de difficulté. Hein. En fait c'est juste, ça en devient juste long. Et si tu meurs, c'est généralement des fautes d'inattention. Ah ouais, hop, okay, on peut tout dégager. Et c'est malheureux mais c'est ça. Hein. Allez au boulot le hibou. Je vais me casser, hop. Ah merde, il y avait forcément un TP en fait. Vu que j'ai tué le boss, il faut que je revienne. Je vais sortir beaucoup plus proprement.
Où est-ce qu'il est ce TP? Ah, ils l'ont mis super loin. Hop. Voilà. Après, la rejouabilité du jeu, elle se fait finalement sur les différentes classes, quoi. Voilà, tu peux monter d'autres classes et ça va te changer un peu de gameplay parce que c'est pas le mode de Fazir qui va te... C'est exactement ça, c'est... Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Kill Squad. Kill Squad, ils ont fait des trucs... Ils ont compris ce qu'était la difficulté. La difficulté, c'est pas de... Et c'est comme WoW finalement. WoW, la difficulté, elle est pas... Le boss, il prend... Bien évidemment, il prend plus de vie, plus de dégâts. Mais ça, c'est normal. Il faut rajouter ça. Mais c'est pas la seule mécanique qui sert à augmenter la difficulté. L'autre mécanique du jeu, c'est de dire, on va modifier ce que vous connaissez, on va en rajouter, on va vous demander d'être plus précis dans ce que vous faites. Au lieu d'avoir le boss, il fait, on va dire qu'il déclenche un sort, bah là, au lieu d'en déclencher un, il va en déclencher deux, il va déclencher deux trucs en même temps, et donc voilà. Ou alors, il va falloir faire quelque chose en plus. Tu peux pas le DPS tant que t'as pas... actionner un machin. Elle est là la difficulté. Alors qu'en normal, t'as pas actionné ce truc là, t'as juste à DPS. Ok, très bien. En mode un peu plus difficile, t'as un truc à faire en plus. Et en mode ultra difficile, t'as un truc à faire en plus et en même temps à faire attention à des adds, des trucs comme ça. Là, ici, c'est pas du tout le cas, quoi. Vraiment jamais le cas. Ok, là, il faut faire quoi? Destin, vaincre Barbe en chaîne à l'entrée. Épineuse du four et des guetteurs. Et c'est ça qu'on veut finalement dans les jeux, hein. Mais après, même toi, et t'as même pas besoin de difficulté. Des jeux comme PoE, il y a une difficulté qui est déjà bien présente sur les boss avec des patterns qui sont punitifs si tu les respectes pas. Là, dans Torchlight, même en normal, t'as pas de pattern, quoi. C'est dommage. Toi, même Last Epoch, ils ont les tout débuts de Last Epoch, les boss, ils étaient pas terribles non plus. Hein. Faut le dire, ils étaient très poteaux. Tu smashais tes compétences et ça y est. Et là, ils ont commencé à rajouter petit à petit des boss qui sont bien plus intéressants. Je dirais pas qu'ils sont difficiles, mais ils commencent à y avoir des patterns, des choses comme ça. Et ce qui a initié le truc, c'est le dernier boss là, de l'acte 8, là, Lagoon, qui est sympa. Et qui ressemble un peu au boss de l'acte 2 de Wolsen. Et qui ressemble lui aussi, de toute façon, à Kitava, de PoE. Oh, punaise. Non, sérieux, quoi. J'ai jamais eu autant de légendaires. Alors que je suis en normal, quoi, c'est... Ouais, les boss, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi, Lacoma. Le Chaosbane avait des boss qui étaient sympas. Qui changeaient de l'ordinaire. Et qui introduisaient des mécaniques... juste le premier boss, là, où t'avais le système des murs. Voilà, très bien. T'avais le boss numéro 2, c'était quoi? C'était celui dans l'arène là, avec le sang, qui était peut-être un peu moins sympa. Le boss 3 qui était la nana là, avec la mare de sang, qui était pas mal aussi. Et le dernier boss qui était pas mal avec ses TP, tout ça. Ouais, franchement, il était bien. Je suis d'accord avec toi, Chaosbane, pour le coup, toute la partie boss était cool, quoi.
Ouais, c'était ça, c'était le premier, ouais. Ouais, mais c'était bien réussi. Et il m'aura bien fait rager ce boss-là. Il m'aura bien fait rager. Après, ils ont rajouté hein, la tour du chaos. Je ne sais pas si tu as retenté depuis qu'ils ont sorti cette upgrade-là. Mais tour du chaos qui était assez sympa. Ouais. On avait quand la Tour du Chaos était sortie, on avait fait un live avec le game director du studio. Et ouais, bah, le problème c'est que comme toujours hein, dans les jeux vidéo, t'as le studio de développement et derrière t'as l'éditeur. Et l'éditeur, bah lui c'est un pur financier et il veut que l'argent rentre. Et des fois, bah toi t'aurais envie de continuer à développer pour améliorer ton jeu. Et lui il te dit tout simplement, bah non quoi. Mince. Mais après, ouais, je trouve que c'est trop couloir. Il n'y a pas. Salut Minus, Charta. Comment ça, trois chemins? Ah, il faut que je retourne à. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre ça. Bâton. Ah non, c'est. Oh, je m'en fous en fait. Bon, allez, on va tout vendre. Qu'est-ce que j'ai eu? Rien de super foufou. Ah si, là, un petit pantalon. Super. Ouais. See you next time. Hop. Particulier l'acte 3, les maps devenaient. Ah oui. Ouais, l'acte 3, c'était juste des couloirs. Et en plus, les mobs étaient pénibles hein, sur cet acte-là. C'est dommage. L'acte 4, par contre, je trouvais qu'il était très sympa. Donc, Chaosbane, j'aimais bien l'ambiance. Mais c'était encore à nouveau couloir, malheureusement. Après, tu regardes, hein, là, regarde la map Torchlight, c'est pas non plus foufou, hein. C'est grand, mais tu tires tout droit, là t'as genre deux voies, hop tu fais ça, t'as un cul-de-sac ici, hop tu fais ça. Enfin, c'est pas non plus la grosse folie. Hein. Et Torchlight 2, je suis d'accord, sans les mods, c'est pas du. D'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès, hein, c'est les mods. Alors, le fort de qui? Nous sommes au fort de DDZ6 GQ. Qui a fait quoi? Qui s'est un peu cassé. Un petit peu. Qui a pas fait beaucoup de choses pour son arbre. Hein, on sent que. Attends. Je trouve. Le mec, il a construit beaucoup de choses. J'ai pas l'impression qu'il ait fini le jeu parce que je vois ni Fazir, ni son hôtel de. Voilà.
ni son truc pour enchanter. Et par contre, son arbre, il l'a fait pousser très légèrement. Torchlight, par rapport à son alpha, il s'est amélioré par rapport à... Ah ouais? Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça marque, Axel, merci d'être passé, bonne nuit à toi. Bon, de toute façon, le bonus... Il y a du monde là pour une fois. Ah c'est ma hantise les boules vertes là de poison en avec mon autre perso parce que comme il est poison, je les vois pas et je me fais one shot par ces trucs à la con. Bon, que du vert, on s'en fout un peu. On va prendre le TP. Hop, et on va revenir en arrière parce que c'était là-bas qu'il fallait aller. Ah, j'aimerais au moins finir le... l'acte 1. Je pense qu'on a encore pas mal de trucs à faire ici. Comment ça se passe pour qu'un jeu puisse être modable? Il faut que ça soit prévu par les développeurs qui donnent accès en fait à... un SDK qui permet de des fonctions que tu puisses appeler, etc. Que tu puisses voilà, il faut que ça soit donné, la possibilité soit donnée par le développeur. Généralement, parce qu'après, ouais, t'as toujours des moyens de pouvoir faire des mods, même si c'est pas prévu, mais c'est plus c'est un peu plus compliqué. Tu trouves que le fort il est sympa? En fait je... moi pour le coup je vois pas ce qu'il apporte. Après c'est une petite fonctionnalité genre ben un peu t'es un peu chill quoi, t'es là tu fais ton fort mais déjà il faut choper les ressources et franchement si c'était rapide encore de... Ah mince, c'est pas par là. Si c'était rapide de farmer les ressources, mais là, ça prend 3 heures à miner. Enfin, ou à couper des arbres. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, je pense pas non plus qu'ils le fassent. Je pense que c'est pas dans leur priorité. En tout cas, ils en ont jamais parlé. Ah oui, il faut que je tue le boss là. C'est vrai, il y a un boss là pour pouvoir continuer. Voilà. Et tu vois, encore une fois, bah, c'est un boss qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait. C'est pour ça que je trouve que
Le jeu, il a énormément recyclé les choses, quoi. Non, pas de petit légendaire. Radin. Hop. Hop, compétences. Alors, je pense qu'on va. Oh, on peut finir ça. Et ça, c'est au niveau 15 qu'on va pouvoir. Je pense qu'on va prendre un truc ici. Nous en tourne une fleur. Ça, je pense que ça doit être super fort, ça. Et hop, chemin gardé. Ah, j'en ai encore eu un, hein. Bah, je l'ai déjà eu celui-là, œuf du chaos. D'ailleurs, ils ont dit effectivement qu'il y avait. Alors, il y a des items qu'on ne peut looter que à partir d'un certain niveau. Si ça se trouve, moi je pars toujours dans le mauvais chemin. On va voir. Ah non, entre de la bête. Ah non, il faut détruire les pylônes. Oh zut, je pense qu'il va falloir trouver ces pylônes un peu partout. Et manque de bol, il y en aura sûrement un là. Ah, il y en a un ici. Ah, donc c'est sûr, il y en a un là, quoi. Oh, je vais devoir revenir. Fait.
Et le dernier pylône. Ah, il est là. Ok, top. Voilà. Ah, celui-là. C'est peut-être l'un des rares qui a un pattern un peu sympa comme boss. Mais qui n'offre juste pas de difficulté, quoi. Ouais, il faut en fait à tous ces quarts de vie, il a un pylône à détruire. Ce boss là, quand tu te le tapes en absurde, tu deviens fou. Les pylônes, ils mettent 3 ans à mourir. Ganon. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Le boss de... qui est assez sympa. Mais encore une fois, que je trouve assez simple. Hein. Parce que je suis pas le plus talentueux des joueurs, hein, vraiment loin de là. Et je l'ai first try en absurde, quoi. Et je m'attendais à galérer, et puis en fait, non, quoi. Et je pense que le seul boss sur lequel j'ai encore galéré, non, c'est le dernier où je l'ai eu en 2 tries, quoi. Après, c'est vraiment dommage, hein, parce que ils ont, tu vois, je trouve qu'en termes de design, tout ça, c'est assez réussi, tu vois, ils sont gros, ils sont, on va dire, effrayants, tu vois, dans, tu sens que c'est un boss, tu vois, en termes de design, tu sens que c'est un boss, et malheureusement, Ouais, c'est bien fait, franchement, c'est bien fait, mais... Hop là, hop, c'est bon. Tourner. Hop. Ouais, je sais pas, moi je trouve que Wolsen, t'as un bon gameplay, t'as des bons visuels, et c'est pour ça qu'il a plu, quoi. Et je trouve que il y a certains boss de Last Epoch aussi qui sont assez bien faits. Ça je l'ai déjà, et ça me donne quoi? Attends, c'est une arme à deux mains, on va la prendre, on va voir. Ah, plus de place pour les potions. Ouais, 37 quoi. Alors ça va m'augmenter. Ouais, ça m'augmente pas énormément. Bon. Attends, c'est... Ah mais c'est parce que c'est une main en fait, j'aurais pu prendre un... Oh non. Il me faut un bouclier, mais je pense que j'ai toujours tout vendu. J'ai pas de bouclier, mais au pire je peux aller en chercher un. Je peux essayer d'aller en...
On a dit un bouclier, c'est où? C'est ça là? Hop. Ah mais ça me rajoute pas de... moi je sais pas, on va prendre cette fin, renverser, chance de faire prendre une seconde ou... Ouais, allez, on va prendre celui-là. Ah ouais, moi je le trouve, pas si vite que ça. On verra quand ils annonceront là les chroniques dans Wolsen, voir si ça, améliore les choses quoi. Et normalement ils ont retenu ce qu'il fallait faire hein, sur l'arbre, arrêter de faire de l'additif hein, et de faire du multiplicatif. Attends, il faut qu'on aille au sol ensorcelé. On va dire que c'est là-haut. Ouais, c'est cool, c'est là-haut. On va faire... Ah, on l'a déjà activé. Je pense qu'on est encore loin de la fin de l'acte 1 parce que je me semble que le boss il est niveau 16. Le boss de l'acte 1 il doit être niveau 16. Occultiste des ténèbres. Et là on va passer 14. Ouais, c'est 5 max. Tu peux pas aller plus loin que 5. Ce qui est pas énorme. Hein. Ah, c'est... Hop. Je sais pas si vous l'avez déjà eu ça. Moi, j'ai eu plein de fois où les boss, ils faisaient des resets. Genre, ils se barrent. Ou alors, ils meurent. On a l'impression d'avoir son animation de mort. Et il revient full life. Il réapparaît. Elle va crever toute seule. On va la relâcher. Hop là. On n'a pas eu grand chose dans le... Ah, tu l'as déjà eu toi aussi Ah, c'est, en fait, en plus c'est tellement pénible
quand tu mets 3 heures à buter un boss et que tu vas, t'es sur le point de le buter et qu'il reset, t'es là. Ah bah non. Tac tac tac. Ah non. Non, on va aller chercher les points en relique, mais je pense qu'après je prendrai dans la relique, je prendrai ça là. Ça a l'air tellement fort. Je vais conserver. D'ailleurs, je vais conserver mon point. Je vais pas le claquer. Comme ça, je vais pouvoir tout de suite aller chercher 3 points. Là, il faut aller au néant morcelé. Qui doit être. Allez, on va tenter. Oh, super! Ah mais si, c'est là on arrive à les, c'est l'épreuve de force, hein, c'est le dernier boss. Allez à l'épreuve de force. Il est vachement résistant hein, quand même. Enfin là c'est vrai qu'après j'ai peut-être pas beaucoup de dégâts en face. Oh. Bon. On l'aura eu plein de fois cette arme. Oh 53 par contre. Ah oui. Eh ben parfait. Hop. Ouais tout à fait, il est devenu jouable offline. T'as une partie offline. Dans le jeu. Et c'était prévu déjà depuis longtemps, et ils avaient dit bah ça sera juste disponible à la sortie du jeu, donc voilà. T'es pas obligé de... Après le online il sert pas à grand chose, hein, t'as joué. Si tu veux jouer en groupe quoi, voilà. C'est vrai que généralement la campagne, tu fais ça solo quoi, et puis après le endgame comme bon, il est pas forcément intéressant, très répétitif. Je voudrais au moins arriver à niveau 15 pour faire le boss. Parce que comme il est 16, je pense que je vais lutter quoi. Ouais, ça va. Après, c'est... À partir du niveau 50, je trouve que c'est assez long de monter.
Le max c'est 60. T'es 60 et tu finis à peu près la campagne, t'es niveau 50. Voilà. Donc en fait, ouais, il te reste à peu près 10 niveaux à faire en mode endgame. Et c'est assez long. Franchement, c'est assez long. Mais pas aussi long que Walsen. Hein. Walsen, c'était juste complètement abusé. Je pense même avec le changement qu'ils ont apporté, hein, c'est encore assez long d'arriver niveau 90. Ah, c'est cool, je vais pouvoir tester le nouveau talent là, niveau 15. T'as pas fait le endgame de Wolsen? Ouais, c'est pareil, il est quand même assez répétitif. Mais pas non plus super super intéressant quoi. Ah, c'était ça que je voulais tester et ça c'est quoi? Ouais non, je vais plutôt tester ça. Et en plus je peux aller chercher directement. Est-ce qu'il me faut flamme agile? Très bien. Ouais, mais Titan Quest, en plus, il faut farmer, quoi, pour... Tu farmes niveau et tu farmes le stuff, quoi. Bon, bah, allez, hop. On va voir ce que ça donne. Ah, ça va, ça descend rapidement quand même. Alors qu'elle est niveau 16. Mince, oh. Salut ma petite chérie, bonne nuit. Attends, j'entends pas ma chérie. Ah, la patte. Il s'est fait mal, tu crois, encore une fois? Ah, ce qui est bien, c'est que tu peux y aller vraiment comme un bourrin sans vraiment faire attention à ce qui se passe, quoi. Non, on voyait plus les effets. Ah, ça y est, le double. J'ai failli crever comme un con. C'était tout juste.
Oh putain. J'ai surpris le... Hey, salut Ramlethal, comment ça va? Bon bah voilà, on a réussi à... à terminer l'acte 1. Easy. Easy. Ça aussi, tu finis le boss de l'acte 1, il te claque un coffre avec deux blancs, un vert, un bleu, quoi. Il n'y a pas de, comment dire, de récompense par rapport à ce que tu viens de finir. Il devrait y avoir, en plus c'est pas difficile à faire. Ouais, à l'époque, Titan Quest était l'un des meilleurs hack and slash qui soit sorti. Et en plus, il avait une histoire super prenante sur la mythologie grecque et tout. Donc c'était vraiment sympa. Et c'est le précurseur de Grim Dawn, puisque c'est les mecs de Grim Dawn qui ont fait ce jeu, quoi. Donc là, tac. Tout ça, on peut dégager. Ici c'est quoi? Et hop. Ah, je pensais vraiment finir plus tôt. On va 3 heures pour finir l'acte 1, c'est correct. En normal. Merci. Ouais, que du vert là. Ouais, c'est ça, un truc qui te dit, bah c'est bien, je l'ai battu pour la première fois, hop, je te donne un objet un peu cool, et qui voilà. Et avant, t'avais le système de renommée ici, où t'avais des trucs légendaires, mais ils ont tous dégagé, quoi. Ah mince, oh non, oh fait chier, j'ai lancé un truc que je voulais pas. Tiens, allez hop, lame tempête. C'est la première fois que ce perso... Quoi? Mais quoi? Putain, j'ouvre un sac vert, j'ai un légendaire, tu sais. Truc qui arrive jamais. Allez, hop, voilà. Et puis, on va faire ça. Voilà, très bien. C'est n'importe quoi. Je pouvais pas avoir que deux légendaires quand même. Salut. Ah là, c'était là pour le coup, c'est abusé, quoi. Vraiment abusé. Portail du Cartelier, on va pas faire. De toute façon, il est déjà minuit. J'avais dit quand même qu'on ferait un peu de Fazir, donc je vais quand même montrer Fazir. Je me rappelle plus. Je vais vous parler à lui là. Allez, hop. On va juste faire un Fazir pour montrer un peu ce que c'est le endgame du jeu. Donc ça, on s'en fout. Hop, donc là on est sur l'acte 2. Hein. Je continuerai ce petit perso parce qu'il est assez sympathique. J'aime bien son gameplay, j'aime bien les talents, tout ça, ça à voir en endgame ce que ça donne. Hop. Et là, je vais vous montrer le système endgame. Alors, je suis pas encore niveau max, hein, je suis niveau 57. Ouais, on est d'accord. Le loot dans un hack and slash, c'est la vie. Voilà. Donc, le perso, là, je l'ai monté en absurde. Ça a été long au départ. Et voilà. Et là, tu vois, enfin, j'ai une pièce de 7 de mon mousquetaire, en plus, qui est 49. J'en ai aucune autre. J'avais les bottes. Je pense que j'avais. Non, ou les jambières. Et ils étaient niveau 15 et je les ai enlevés que très récemment. Voilà, mais sinon j'ai pas de chance du tout.
les comment dire basculer des modes. Bah là en fait pour aller au parce que là comme j'ai avec ce perso-là j'ai fini le endgame, je peux effectivement enfin j'ai fini la campagne, je peux activer le endgame. Ah celui de leur renommée. Ouais, tu peux t'as un truc pour t'as trois type de renommée, j'en ai monté qu'une seule parce qu'en fait c'est juste des bonus qui servent à rien quoi. Donc le petit Fazir. Donc Fazir en fait vous avez des défis avec différentes cartes. Donc en fait vous avez là les règles du défi sur 16 à 19. Donc j'ai 30% de chance que les monstres fassent apparaître un trait de feu. Au niveau du sol et ensuite vous avez trois cartes et vous pouvez sélectionner un des putain mais j'ai vous pouvez sélectionner donc déjà ici vous voyez le type de dégâts qui vont être faits dans l'instant donc c'est dégâts physiques ici et là vous avez en rouge c'est le malus qui va s'additionner par rapport à ce malus là déjà votre champ de vision est limité donc ça c'est ultra chiant le champ de vision limité vous avez un zoom sur votre perso. Vous voyez plus rien quoi. 20% que les mobs puissent devenir invisibles ou 50% que ils fassent apparaître de monstres. Ouais. Bon, on va prendre truc invisible. Et on est parti. Donc là j'ai un build qui est donc c'est un sharpshooter, c'est le tireur d'élite et qui est full pet. Le build full pet. C'est pas trop moi qui fais les dégâts, c'est plus mes pets. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est par contre, c'est les maps de l'acte 3, et pour le coup, je les trouve sympas. Donc, je me trompe pas. Et bah c'était rapide. C'était rapide, hein. J'ai pas vu le là-haut de la sorcière. Je trouve qu'on les voit pas ces trucs-là, putain. Ah, merci beaucoup Vincent. Et bienvenue à toi. Bon bah voilà, donc c'était juste pour démontrer que quand vous échouiez à une mission du donjon de Fazir, vous recommencez en fait votre série. La moustache était pour mon perso que je jouais juste avant, qui avait aussi exactement la même moustache, et c'était pour faire un peu de roleplay. 30%, non. Ouais, hop, on va prendre celui-là. Bon, on va recommencer, on va essayer de se concentrer hein, quand même, un minimum. Essayer d'en finir un. Il sera plus abordable celui-là, parce qu'en fait, je suis 57 et les mobs, ils sont 60. Donc c'est chaud, quoi. En tout cas, elle tient super bien la moustache, franchement. Mais je referai, ça vraiment sur le coup, ça m'a fait marrer de faire un petit. Bon, c'est vraiment minuscule comme cosplay, mais je trouve que c'est marrant. Ouais, ok. Ah ouais mais non. J'ai plus de potions quoi. Ah bah ça va être le fail hein. Ça va être le fail. J'ai mon pet qui me redonne un peu de vie toutes les 8 secondes. Ah c'est bon j'avais looté des potions, cool. C'est un moustache live, ouais. Ouais, je suis prêt de mourir là. Oh, le truc de feu, c'est juste ignoble. Oh.
va lâcher un truc bleu pour le coup. Alors, ouh, 6300 dégâts de poison, chance de critique. Oh, oh, oh. Il faut absolument que j'arrive à refaire un stock de potions, faut que je me prenne le moins de dégâts possible. Ah, une potion là, cool. Faut que mon pet me heal. Une potion. J'ai même pas vu de quoi je suis mort. Bref, allez, il est minuit 15. Voilà, au moins ça a montré un peu que le endgame c'est pas pour moi. Écoutez, ça a été super sympa. Alors, allez, est-ce que j'essaye quand même de finir une carte, quoi. Je vais aller acheter des potions. Go acheter des potions. Et on essaye au moins de faire une carte pour vous montrer le truc, quoi. Voilà, c'est pas pro. C'est pas pro de finir sur un échec, quoi. Allez, hop, on va acheter... je sais même pas à qui on achète les potions ici. Non, c'est pas... Ah si, c'est lui. Parfait. Mince. Ah, j'ai acheté des potions à la con. Hein. Voilà, là on va être mieux. Hop. On va retourner à notre fort. Et cette fois-ci, on se fait le... Ouais, non, c'est jamais, jamais abandonner sur un échec, c'est... Après, c'est le genre de truc qui te poursuit toute ta vie, quoi. Bon, on va essayer d'avoir un peu de chance sur les... Le temps de potion est quadruplé, tous les monstres sont immunisés aux effets élémentaires négatifs. Ouais. Ouais, on va prendre ça, hop. Déjà, j'avais lutté pour faire le 16. Là, bah, terminé. Non, 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 je suis capable. Je suis capable. Avant, je faisais des lives jusque 2-3 heures du matin. Donc, voilà. Mais... Ce qui n'était pas forcément raisonnable. Ok. Oh, les trucs de feu, c'est tellement chiant. Putain, mais en plus, ça te bouffe ta vie. Ah, mais j'aurais dû... En fait, j'aurais dû mettre du stuff résiste feu, quoi. C'est ça. Aussi, je suis pas malin dans ce que je fais. Ah, les arbres, je les déteste tellement. Attention.
Attends, hop. Oh merde, non, oula. J'essaye de lire le chat, mais en fait, j'y arrive pas. Oh putain, mais tous les trucs de feu, quoi. Oh là là. Ok. Comme c'est tous les monstres qui ont une chance de faire pop les trucs de feu, bah forcément à un moment donné ça devient complètement fou quoi. Ah. Eh ben. Et ça c'est le truc, c'est super chiant, c'est quand t'es spécialisé dans un élément, bah tu vois pas les sorts adverses. Genre là quand j'ai mes araignées là qui partent pour voir les trucs de poison qui t'arrivent dans la tête, c'est chaud. Hein. Ouais, niveau 58. Ah trop bien. Ah je vais avoir un peu plus de facilité à buter les... Ah. Voilà. Au moins, là, on a moins de malus par rapport à notre niveau. Ah, la sorcière. Faut pas que je me prenne ces AOE comme tout à l'heure, quoi. Ça me défonce. Ah bah c'est bon, elle est morte. Hop. Nickel. Attends, j'ai un point que je vais pouvoir mettre. Tac tac tac. Non. Et il me semble que c'est ici. Voilà. Il nous reste quoi là? Il nous reste juste encore une sorcière. Hop, encore 3. Il y a du mob là-bas, mais j'ai tellement pas envie d'y aller avec tous les trucs de poison. Hein. Attention, il y a une sorcière. Tu vois, l'étoile d'araignée, là, en plus, c'est mon araignée qui les casse, mais ça ressemble tellement au truc des ennemis, bah, tu sais pas. Tu peux pas faire la différence. Est-ce qu'ils ont fini? Putain, on n'a pas eu d'objet, là. Bah allez. Ouais, t'as rien à faire. Une fois que, de toute façon, vu que tu l'as avant, il fallait les
les désenchanter pour qu'ils apparaissent dans ton légendarium. Là maintenant il suffit juste de les récolter, donc ouais tu peux les revendre hein, s'il te sert à rien, ou tu le gardes dans ton coffre partagé pour le donner à un autre perso qui en aurait peut-être besoin. Mais comme tes persos ne peuvent pas looter de légendaire du set d'une autre classe. Ouais, ok. Non, j'arrive pas à obtenir mes derniers trucs là pour pouvoir aller faire le boss. Ah ça y est, il y en a un là. Ouais, ça c'est les trucs de poison là. Que je ne vois jamais. Il est relou. Voilà, encore un truc de poison qui est noyé dans la masse. Ah, c'est bon, il est mort. Magnifique, il aura lâché du stuff de haute qualité. Ah, allez, encore un et j'ai fini. Ah non, c'est bon, j'ai fini. Wouhou. On va pouvoir aller chercher le boss qui doit être... allez, on va dire par là. Ouais, super. Hop. Ouais, il est sympa comme build. Après, il y a peut-être d'autres manières de le faire. Parce que, pour dire, j'ai jamais respé un seul point. J'ai pas été chercher forcément de tester des talents. Ah, un pet. Ouais, j'ai déjà. Hop, on relâche. Qu'est-ce qu'on a chopé de beau là? Ah non, moins bien. Ça c'est mon arc. Hop, que je vais garder. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, ben voilà, au moins on n'a pas fini sur un échec. On n'a pas fini sur un échec. On a un peu dépassé le timing. Ouais, mais les coffres, j'essaye même plus d'avoir quelque chose. Il faut savoir, il y a un problème dans les coffres. Hein. Plus on monte en niveau, plus le loot se fait rare en termes de légendaires. Et sachant que les légendaires, en fait, déjà, il faut avoir de la chance pour tomber sur les bons affixes. Pour, par exemple celui-là, par exemple, moi j'ai eu un dégât critique et j'ai eu
Mais le sacrifice to Goose, là, ça me sert à rien. Mais bon, comme il m'apporte des points, bah, je le mets. Mais... ouais. Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau du drop rate. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a un problème, quoi. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Décoration pour le fort, une cabane branlante. Waouh, magnifique. Voilà, et eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le live, c'était encore une fois très sympathique. La vidéo sera disponible en replay hein, sur la chaîne, comme la dernière fois. Merci à tous d'être passés, merci à tous d'avoir discuté. Je vous souhaite une excellente nuit, j'espère que le live vous a plu. Et mercredi prochain, bien évidemment, on se retrouvera, et je ne sais pas sur quel jeu. Voilà, donc si vous avez des idées de jeu pour mercredi prochain, n'hésitez pas à le mettre sur le Discord. Comme ça, ça me permettra de voir ce qui pourrait être sympathique. J'espère que vous avez apprécié ma belle moustache. Ça a été pas super agréable à porter, mais moi ça m'a fait marrer. Voilà, bon, bah, merci beaucoup à tous. Bonne nuit, Lacoma. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Minus. Bonne nuit, Ramlétal. Bonne nuit Ace Joker, bonne nuit Vincent, bonne nuit à tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont encore présents, et à bientôt, ciao ciao.